Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission des Tables rondes des experts, ce soir en partenariat avec I Am Buster by XMCO. La thématique de ce soir, c'est celle des sous-traitants et des filiales. Est-ce un maillon faible pour la cybersécurité? Et pour une fois, ce ne sera pas l'homme peut-être qui sera au centre de cette question. Nous avons avec nous quatre experts qui d'ailleurs vont se présenter et je vais commencer par Bastien. Bonsoir, donc Bastien Gacaz, donc je suis au cabinet XMCO depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par être auditeur, pentester, puis après j'ai participé au management et à la structure du pôle audit. Et aujourd'hui, je développe une solution qui s'appelle I Am Buster, qui permet d'auditer les Active Directory, donc un service managé by XMCO. Benoît. Bonsoir, moi je suis Benoît, je suis directeur cyber de KNDS depuis 4 ans et auparavant j'ai été pendant 7 ans le FSSI des ministères de l'Éduc, enseignement supérieur, recherche. Et avant ça, 6 ans expert à l'ANSSI. Michel. Et Michel Gans, donc je suis un CSI en banque assurance. Ça fait 14 ans que je me passionne pour l'informatique, l'IT en général. Et puis ça fait 7 ans que j'ai pris le pas de la cybersécurité uniquement, que ça rythme mon quotidien. Et j'ai rejoint un assureur cet été. Donc je continue ma route vers la cyber avec tous les autres équipiers qu'on peut avoir. Et Marc Frédéric. Marc Frédéric, moi je suis responsable du CERT Groupe Crédit Agricole. Ça va faire maintenant 30 ans que je fais de l'IT et je suis passé par les différentes phases de l'infrastructure, du réseau, du système et de la cybersécurité. Puis j'ai aussi un parcours auto-entrepreneur avant de rentrer dans le groupe Crédit Agricole. Eh bien, merci d'être avec nous ce soir. Déjà, est-ce que vous êtes content d'être là? Très, très content. Toujours. Mais... Non, c'est pas la première fois. Alors ce soir, comme je le disais, on va parler des filiales et des tiers. Est-ce que c'est un maillon faible en cybersécurité? Lorsque je préparais cette table ronde, je suis tombée sur une news, donc une actualité que je partage pour le public à l'écran. L'agence japonaise d'exploration spatiale a subi une cyberattaque paralysant une partie de son réseau. Ce qui est intéressant avec cette attaque, c'est que c'est passé par son Active Directory. Et c'est ce qui introduit donc ma première question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est si important que ça d'avoir des outils d'évaluation de sécurité de l'Active Directory dans le cadre de la supply chain quand on sait que ça évolue énormément? Donc je pense que ça peut être pertinent aussi de recontextualiser pour le public ce qu'est un Active Directory. Bastien ? Alors déjà, oui, effectivement, on peut rappeler ce qu'est un Active Directory. Ça a été créé donc, au moment du lancement de Windows 2000. Donc, ce n'est pas tout jeune, ça a 23 ans, 24 ans. Et donc, ça permettait de gérer des réseaux sous machine Windows, initialement. L'idée, c'était de simplifier l'administration et de aussi pouvoir gérer donc l'authentification et toutes les machines qui vont s'y connecter. Et ça a extrêmement bien marché. C'était très populaire, du coup, toutes les entreprises qui se sont informatisées avant les années 2000 et puis après l'ont utilisé. Donc aujourd'hui, dans toutes les grandes sociétés, à minima pour la bureautique, vous en avez un, et des fois aussi pour la production. Et comme c'était très populaire, et c'est toujours très populaire, les attaquants, ils s'y sont intéressés parce qu'ils ont vu un vecteur de compromission et surtout, comme l'AD gère beaucoup, beaucoup de choses dans une entreprise, voire des fois quasiment toutes les ressources, et ben, une fois qu'on a pris le contrôle, on peut potentiellement tout voler, les données, etc. Et donc, il y a également aujourd'hui un certain nombre de sociétés qui ont des filiales. Et dans ces filiales, il y a des Active Directory. Et puis, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais au travers de l'actualité, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des filiales qui étaient moins sécurisées que leur maison mère. Et donc, les outils d'automatisation et couplés aussi, et on en reparlera peut-être après, avec des audits vraiment manuel et vraiment avec des consultants, etc., permettent d'apporter un gain de sécurité. Et donc, l'outil d'automatisation, ça va permettre de faire, en continu, ça va permettre de pouvoir peut-être avoir un niveau de sécurité assez satisfaisant, ou en tout cas le monitorer et pouvoir y travailler. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire, que certaines filiales sont moins sécurisées que les maisons mères. Donc, ça introduit justement un exemple que j'avais vu, donc que je vous partage, qui est des hackers chinois qui ont atteint des sièges sociaux US et japonais via des filiales internationales. Donc, si je comprends, dans cette attaque-là, ils sont passés par une filiale et ils sont remontés vers la maison mère pour pouvoir justement attaquer, donc via des backdoors. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples fameux, entre guillemets, de compromission venant de sous-traitants comme cela, avec des conséquences directes, hein? Ouais. Alors, si on remonte 10 ans en arrière, on a le cas Target en 2013.
Target, en fait, donc c'est une société, un distributeur discount aux États-Unis. Ils se sont fait compromettre via le sous-traitant qui gérait la climatisation et la ventilation, donc pour eux. Et ce qui s'est passé, c'est que les attaquants donc, sont rentrés par le sous-traitant, ont compromis le réseau Target et ont installé des malwares sur les terminaux de paiement. C'est comme ça qu'ils ont pu sniffer, donc récolter des millions, je crois que c'est 40 millions de données de cartes bancaires en continu. Donc pendant que les personnes venaient payer à la caisse, eh bien, les attaquants récupéraient les données. Et ça, ils ont fait ça pendant peut-être entre 6 mois et 1 an, je ne me rappelle plus trop. Et ça, c'est un cas déjà où on a permis de se rendre compte « Ah, c'est peut-être intéressant de regarder les liens réseau déjà entre la filiale et enfin les sous-traitants, la filiale et l'entreprise principale. » Donc on a ce cas-là. Ensuite, 4 ans après, on a NotPetya. Je pense que ça, tout le monde s'en rappelle. NotPetya, ça vient d'Ukraine à la base. Donc ça s'est passé en fait un logiciel de comptabilité ukrainien qui était très utilisé. Il y en avait que deux en Ukraine. Il a été très utilisé pour toutes les entreprises ukrainiennes. Mais dans les entreprises ukrainiennes, il y avait des filiales françaises. Et donc, ce logiciel, ses serveurs de mise à jour ont été compromis. Et derrière, toutes les entreprises qui utilisent ce logiciel, en fait, ont vu un malware qui s'est propagé sur leur réseau, qui était une sorte de ransomware, mais pas vraiment un ransomware dans le sens où le but n'était pas de demander des rançons, mais ça chiffrait quand même l'intégralité des postes de travail et des serveurs. Et derrière, on a eu des entreprises comme Saint-Gobain en France, comme Maersk, qui est une société danoise d'un transport maritime, ou qui ont vu leur système complètement verrouillé, parce qu'en fait, ils avaient des filiales en Ukraine, et ça s'est propagé jusqu'à leur siège, et leurs autres filiales, et tout était maillé. Et derrière, par exemple, pour Maersk, c'est, je crois, quelque chose comme 17 ports à l'arrêt, où les bateaux ne peuvent plus décharger les cargaisons, et en fait, les denrées alimentaires pourrissent, etc., des pertes financières, quelque chose comme 300 millions, Donc, il y avait ce cas-là où, là, vraiment, on s'est rendu compte que, OK, les Active Directory, notamment des filiales, qui permettent aux rançongiciels de se propager ou de malware divers de se propager, on va peut-être aller les regarder. Donc, ça a fait aussi un nouveau cas. Et puis après, en 2020, et là, c'est moins sur l'AD, c'est le cas SolarWinds. Et SolarWinds, en fait, c'est vraiment... la compromission d'un logiciel pareil comme le logiciel de comptabilité ukrainien, mais sauf que là, on a des acteurs qui se sont fait compromettre partout dans le monde, donc qui étaient clients de ce logiciel, un logiciel de monitoring réseau qui s'appelait Orion. Et ce logiciel-là, donc Microsoft l'utilisait, Cisco, enfin des géants du web. Ce logiciel-là, en fait, il y a une version backdoorée, donc avec une porte dérobée qui a été publiée. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement au niveau de l'édition logicielle, c'était peut-être aussi quelque chose qu'il faut regarder parce que on a vu que on peut se faire compromettre par un logiciel qu'on a sur notre SI et qui est omniprésent et surtout généralement avec des privilèges assez élevés. Voilà trois cas qui... Donc finalement, il faut avoir quand même un point d'attention vis-à-vis des filiales. Il faut qu'il y ait un degré de sécurisation qui soit similaire. Alors, similaire, il faut essayer d'y tendre. Après, on sait très bien que les filiales, elles n'ont pas forcément les mêmes moyens que la maison mère. Alors des fois, ça va dépendre de comment c'est dans les contrats, etc. Mais là, nous, on a des clients, typiquement, c'est la maison mère qui va payer les filiales, les audits ou payer les solutions d'automatisation pour qu'on sécurise et qu'on les aide à sécuriser. Après, ce n'est pas toujours le cas. Il y a plein d'interactions possibles. Et puis, ça va dépendre aussi si la filiale, elle est complètement interconnectée à la maison mère ou si c'est juste un lien très faible. Et dans ce cas-là, on peut être un petit peu moins regardant. Ça va vraiment dépendre des interactions. Donc forcément, j'imagine que dans ces questions-là, on a aussi des notions de conformité. Comment on fait aujourd'hui, en tout cas, quels sont les conseils à donner pour gérer la conformité d'un grand groupe qui est au niveau international et qui donc a plusieurs filiales, potentiellement avec chacune dans un pays différent, des normes différentes? Michel? Effectivement, c'est une grande question qui s'ouvre à nous. Je ne sais pas s'il y a une recette magique, mais en tout cas, il y a vraiment effectivement une méthode qui se jalonne assez distinctement. Néanmoins, il faut quand même avoir le paysage de la réglementation locale, les attendus des différents régulateurs, que ce soit en Europe ou ailleurs.
Et c'est vrai que si on commence déjà par la phase d'identification et l'analyse d'écart entre ce qui est ce qui se fait sur en termes de normes et régulations locales, on a déjà un grand panel. Si on prend juste l'Europe, on a des régulateurs et des directives. On a un grand nombre de directives, que ce soit EIOPA, que ce soit IBA, que ce soit RGPD. C'est un grand nombre de directives à suivre et attendues. Si on s'exporte jusqu'en Amérique latine, on va trouver du LGPD au Brésil. Déjà, rien que identifier cette partie-là, c'est déjà un vrai travail complexe. Seul, je ne suis pas sûr qu'on y arrive non plus. Je pense qu'il faut vraiment avoir une synergie locale avec nous pour déjà réussir à traduire, parce qu'il y a la barrière de la langue. Donc, quand on a justement un certain nombre de filiales, les interprétations de textes, elles peuvent être parfois complexes. C'est des textes qui impactent beaucoup les process et aussi les positions des différents groupes. Donc, au-delà de ce périmètre d'identification, il y a de l'obligatoire, il y a aussi du facultatif. Donc il y a de la norme facultative qui vont quand même orienter et renforcer la sécurité. On va trouver des normes facultatives, parfois facultatives, je peux dire en banque assurance, ça peut être facultatif, ISO 27000, ISO 27001, c'est pas obligatoire pour une banque de lettres, mais ça renforce quand même son organisation. Sur la résilience, sur la continuité, on va avoir ISO 22301, on peut tendre à aller dans des référentiels super sécurisés type SOC 2, type 2. Donc on a quand même déjà un grand éventail de normes et de certifications qui s'ouvrent à nous sur la partie facultative pour nous aider à sécuriser. Après, on a la partie obligatoire. Dans la partie obligatoire, si jamais on a des données de santé, ben, il faut être HDS. Si jamais on a du paiement, on émet des paiements, on a du PCI-DSS. Donc il y a quand même déjà un gros volet administratif et réglementaire sur lequel il faut être compliant pour commencer à travailler dans les règles. Donc c'est pas forcément une approche par les risques, c'est une approche qui est couvrante, qui a ses vertus, qui a aussi sa lourdeur, mais qui doit être prise en compte et qui doit être intégrée à un document référentiel qui va être la PSSI Group. Donc ça sera l'étape d'après, une fois qu'on aura identifié, c'est de centraliser avec ce qui va être le plus restrictif, et le plus restrictif deviendra le socle de notre PSSI Group. Après, il faut créer une PSSI Group applicable, parce que justement, il faut être réaliste, il y a des choses qui ne sont pas applicables dans différents SI. Justement, pour parler de filiales, on va avoir des SI qui vont parfois être interconnectés, des SI qui ne vont pas être interconnectés. On va avoir des SI locaux avec des moyens différents, comme tu le disais. Et il va falloir décliner aussi cette documentation locale. Il va falloir décliner de façon applicable, encore une fois, et traduite pour qu'il y ait aussi cet écart qui soit comblé en barrière linguistique. Et là, on aura déjà fait une grande partie du travail. Après, je pense que si on continue dans cette démarche, on peut aller vers un référentiel de contrôle pour backer tout ça et puis avoir justement cette revue perpétuelle de ce qu'on y fait, pour voir si on est toujours en écart façon réglementaire. Et puis, je pense qu'il faut aussi penser, en dernier point, et qu'on mettra au début quand même, au cycle de vie, parce que les process, ça vit, la technologie, ça vit, ça évolue, la réglementation, ça vit, ça évolue. On a des nouvelles réglementations qui vont arriver, on a DORA, NIS 2 qui vont rentrer très prochainement dans la danse, donc on a effectivement encore un renforcement réglementaire. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des gens qui font que ça, parce qu'ils ont le temps de voir plein de clients, du coup ils ont plein de référentiels qui permettent de couvrir certains risques qu'on n'aurait peut-être pas imaginé parce qu'on a fait juste de la gouvernance et on a essayé de cocher les cases face au texte. Donc il faut essayer de trouver l'intelligence là où elle est et trouver un moyen de faire vivre ça sans que ce soit trop lourd, sans que ce soit trop difficile pour les attentes business aussi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Michel, sur les attentes business, parce que moi, j'ai souvent deux sons de cloche et je veux bien votre avis sur ça. Donc, d'un côté, des personnes qui tendent à avoir beaucoup plus de réglementation, que ce soit beaucoup plus encadré juridiquement. Donc, la régulation. Voilà, qu'on ait de plus en plus de choses à ce niveau-là. C'est bon, la régulation. Et puis, il y a ceux qui vont vous dire, oui, mais avec de plus en plus de process, on limite aussi la prise de décision, ça devient lourd d'un point de vue business et on ne peut pas avancer. Donc, moi, je veux bien votre avis sur ces deux aspects. La conformité est nécessaire.
dans le milieu des grands groupes, hein, car elle permet d'avoir une ligne rouge. Il y a un chemin conducteur, on doit suivre, et ça permet de faire déjà au minima ce qu'il faut au niveau sécurité. Après, il y a certaines réglementations suivant les pays, suivant les continents, etc., qu'il faut adapter. Mais quand on regarde bien, si on prend le cas de PCI-DSS pour protéger le porteur de la carte, c'est quand même quelque chose qui demande des basiques, l'anonymisation des données cartes qui circulent sur un réseau. Tout à l'heure, on a parlé de Target. Target, c'est assez, comment dirais-je, lunaire comme compromission. La compromission ne s'est pas faite de l'extérieur, elle s'est faite à partir du réseau de climatisation. Les mainteneurs qui venaient entretenir les climatiseurs dans les grandes surfaces étaient sur le même réseau que celui-là des TPE, donc les fameux terminaux de paiement. Il n'y avait pas de segmentation. Et c'est comme ça que s'est fait la compromission. Un mainteneur a mis un sniffer au départ et il s'est dit « mais j'ai moyen d'avoir accès à des données cartes qui passent en clair ». Et c'est là qu'a commencé la compromission. Et personne ne l'a vu parce qu'on n'avait pas imaginé qu'on pouvait passer du trafic réseau pour aller détourner des numéros de cartes, surtout sur des climatisations. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'elles fonctionnent, qu'elles donnent la bonne température et que les clients sont satisfaits. Donc non, là, et ce côté d'être avec cette réglementation, cette régulation, bah, PCI-DSS, quand on le regarde, c'est beaucoup de contraintes. Puis en fin de compte, quand on commence à analyser, à le déployer, bah, on se rend compte que c'est nécessaire, c'est vital. C'est souvent du bon sens, effectivement. C'est du bon sens. Et dire qu'on va anonymiser des données, qu'on ne va pas les faire passer en clair, qu'on ne va pas prendre des données personnelles qui ne sont pas utiles auprès d'une transaction, bah, ça me semble nécessaire. Et... ouais. On en a besoin. On en a besoin, puis surtout qu'en cas de compromission, il y a un avantage énorme. Vous n'êtes pas capable de reconstituer la carte. Donc, même si un commerçant a une compromission et qu'il a décidé de stocker ses cartes via ce standard, ben on va, les attaquants ne vont pas pouvoir récupérer les cartes, les codes, etc. Ça fonctionne. Alors, moi, ça marche très bien. J'ai un avis sur la conformité, la régulation un peu... si je devais trancher, je dirais en fait ça ne sert à rien. Non, c'est pas vrai. Presque. Évidemment. Non, mais c'est ce que me disait Marc, c'est que c'est un référentiel. C'est les bonnes pratiques, c'est une ligne rouge. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, hein, les PSSI, les conformités, c'est des référentiels, ils sont compliqués, ils sont chers, et souvent, c'est pas un besoin compris, porté intrinsèquement, c'est une réponse à une exigence contractuelle, légale. Et donc, l'important, c'est d'être conforme à un instant donné pour passer un seuil. Oui, mais... Et donc, on se met en conformité à un instant T, et puis une fois qu'on a passé le seuil, la conformité, on la refera 3 ans plus tard, on reviendra dessus. Et ce problème de la conformité à un instant donné fait que on n'a pas forcément le maintien dans le temps ou l'évaluation réelle du niveau de sécurité dans le temps. Aujourd'hui, les assurances, mais corrigez si j'ai des bêtises, mais aujourd'hui, l'assurance cyber, elle est en train de pas mal évoluer, parce que le modèle initial d'évaluation du niveau de maturité sur un référentiel de sécurité ne permettait pas de dire si le client allait se faire ou pas pirater. Et donc aujourd'hui, on avait des problèmes de plus de primes, enfin de plus de remboursements que de primes. Donc ce niveau de conformité à un instant donné technique, aujourd'hui, ne suffit plus. Et ce qu'on dit, c'est que... Alors, exemple, SolarWinds, tu le citais. SolarWinds, c'est un super exemple de super conformité où on a dit qu'il faut que les logiciels les plus critiques soient maintenus à jour. Qu'on fait les DSI, ils ont attendu la mise à jour, ils l'ont prise, ils l'ont testée pour voir si elle fonctionnait, niveau fonctionnel. Elle fonctionnait, ils l'ont pris, ils l'ont installée. C'est l'obligation réglementaire de conformité. Quand ils l'ont fait, ils se sont auto-troués parce qu'ils ont installé la backdoor. Donc finalement, le niveau de sécurité instantanée, de la minute d'avant à la minute d'après, passe de « je suis très bon, je suis conforme » à « mince, je suis troué ». Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de pousser, ce serait plutôt une conformité capacitaire. C'est « suis-je en capacité de traiter ce qui arrivera demain ?» Et ce n'est pas forcément « est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le bon firewall ?» Oui, elle est là, la question. Mais c'est « est-ce que vous avez le bon firewall ?» Mais est-ce que vous avez les bonnes équipes, les bonnes ressources ? Est-ce que vous mettez les moyens pour qu'ils soient maintenus dans le temps au bon niveau ? Et cette mesure, finalement, alors conformité, c'est un référentiel et des indicateurs qu'on mesure. Mais une conformité capacitaire, ça veut dire qu'il faudrait un référentiel, de quoi on a besoin. Et puis finalement, on met quoi en face ? Je ne sais pas, est-ce que c'est un... On a tendance à dire, le budget de la cyber, ça devrait être entre 5 et 10% du budget de la DSI.
Non, mais sur une TPE, PME, ce n'est pas entendable. Eh bien non, parce qu'il y a des effets de seuil. Il y a des effets de seuil. Il y a des choses quand même qui sont relativement simples. Tu disais que tout ce qui est conformité, régulation, ce n'est pas terrible. Mais si on prend quelque chose de très basique, le mot de passe. Aujourd'hui, on considère qu'il faut avoir des mots de passe d'une certaine longueur, etc. Mais dans beaucoup d'entreprises, ce sont les mots de passe par défaut, y compris pour des cabinets prestigieux dans les top 5. Ils se sont fait compromettre. Le mot de passe, c'était admin. Il n'y a pas une question de budget, il n'y a pas une question. Et s'il n'y a pas une régulation, un contrôle qui est fait par un audit externe, il ne changera pas, le gars. C'est un très bon exemple, parce que. On pourrait croire qu'on l'a répété avant. C'est que du live. Aujourd'hui, on a des exigences de conformité sur le mot de passe qui sont. Il faut un mot de passe très long et très complexe. Ou un coffre-fort. Pourquoi ? Parce que ça sert à quoi ? C'est juste une fois qu'on a le H, c'est pour ne pas le retrouver. Donc c'est une attaque qui est très précise. Même Microsoft aujourd'hui a tendance à dire non, mais en fait, oubliez cette notion de mot de passe très long, très complexe qu'on change très souvent. Parce que les gens, de toute façon, ils n'arrivent plus à le gérer, ils les notent et tout ça. Et on y revient plutôt sur un mot de passe moins complexe, qu'on ne change pas, sauf si on a le moindre soupçon de compromission. Mais cette conformité, donc qui est partie d'un mec qui a dit il faut des mots de passe très longs, parce qu'il y avait un sujet à l'époque, est encore en place sur beaucoup de réglementations. Microsoft est revenu dessus en disant non, mais. Arrêtez, pour les utilisateurs lambda, ne leur filez pas des mots de passe comme ça. Ce n'est pas le sujet. Il y a d'autres moyens. Bon, et puis surtout, le mot de passe, ça ne sert plus à rien. Enfin, c'est mauvais de base, maintenant, c'est du MFA. Mais voilà, donc cette conformité sur le pourquoi un long mot de passe dur, c'est parce qu'on va attaquer le H. Alors, le mot de passe par défaut, évidemment, il faut le changer. Mais après, prendre la sécurité dans sa globalité, dire, OK, mais finalement, j'ai mis un mot de passe de 12 caractères, très compliqué, mon utilisateur, il le note. Est-ce qu'on a gagné en sécurité ou pas ? Le changer tous les 12 mois, tous les 3 mois, on a gagné ou pas ? On ne change pas nos code PIN de carte bleue. Voilà. Et donc, on a vraiment on commence à avoir, au-delà de la conformité, à se poser les questions. Alors, de temps en temps, on n'est pas d'accord avec la règle de la conformité. Et là, ça devient compliqué. C'est-à-dire, pourquoi on a une règle de la conformité ? Le vrai travail sur la conformité, ce n'est pas de se dire, on doit le passer en instantané, à un instant donné. C'est vraiment, pourquoi ? Là, c'est une vision grande entreprise et grand compte. Moi, je parle d'une TPE-PME. Il y a 15 personnes dans la boîte. Ils ne vont pas entre guillemets, investir sur des systèmes de double MFA au départ. Ils sont, par exemple, peintres en bâtiment. Ou je vais prendre le cas d'un restaurateur. Ils sont 6 personnes. Ils ont une page Facebook. C'est un cas réel. Hein, et ils vendent énormément par les plateformes de services en ligne. Son concurrent direct est juste en face. Qu'est-ce que fait son concurrent ? Il va voir ce restaurateur et il constate que son mot de passe de sa page Facebook, où il fait ses ventes à distance, ainsi que par les plateformes, eh bien, il a inscrit, c'est ce que j'appelle le syndrome TV5 Monde. Il va prendre le mot de passe de la personne, il va se connecter et il va changer aux heures de pointe par son téléphone à lui, le restaurateur d'en face. Et le résultat, c'est un mot de passe qu'il avait depuis le lycée. Bon, sur 3 cuistots, il en a licencié 2. Sur 2 serveurs, il en a licencié 1. Et ça a été catastrophique. Et avant de se rendre compte, parce que qu'est-ce que faisait l'attaquant ? Donc, la personne d'en face, elle disait le mot de passe, il marche et je vais le faire uniquement pendant les heures de pointe et après, je remets le bon numéro de téléphone. Donc, chaque fois qu'il vérifiait sa page Facebook pour voir pourquoi il n'y avait pas de commande, il est tout le temps tombé sur son numéro de téléphone à lui. Et grâce au guide de l'hygiène de l'ANSSI, qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César, s'il aurait juste changé son mot de passe tous les 3 mois, il n'aurait pas été forcé de licencier du monde. Et c'est pour ça que quand on est dans les grands comptes, c'est facile, on va mettre des firewalls, on va mettre des solutions de filtrage. Mais une TPE-PME où son métier, c'est de faire de la nourriture. On a des sujets, exactement. Voilà, c'est vraiment. C'est là le. Alors, l'exemple là, du mec qui a changé de téléphone. Il est devenu parano. Hein. J'ai eu un exemple dans une vie précédente où le mec qui changeait le RIB juste avant le paiement, il le remettait après. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il ne recevait pas l'argent. On a des TPE-PME. Et on a fait un niveau, on a travaillé d'ailleurs entre industriels sur un niveau fondamental et on a évalué ce niveau fondamental auprès des TPE-PME. Et en fait, la moindre mesure, de toute façon, elle ne la comprend pas. Et donc, là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que sur les tout petits, finalement, toutes ces règles qui sont nécessaires, peut-être qu'il ne faut pas leur filer à eux. C'est un peu. Est-ce que tu as une chaudière chez toi ? Tout le monde. Alors, est-ce que tu fais la révision de ta chaudière tout seul ? C'est obligatoire. Non, mais est-ce que tu l'as fait toi-même ? Je pourrais la faire moi-même, mais je ne peux pas la faire. Parce que dans mon contrat d'assurance moi, ne me permet pas de le faire. Personnellement, je ne saurais pas le faire et je ne prendrais pas le risque de le faire. Mais je vais m'adresser à un Saint-Champ avec qui je vais avoir un contrat et qui va venir me le faire. Alors, sur la chaudière, c'est une fois par an. Ce qu'on pousse mais aujourd'hui. C'est 100 balles. Et c'est au niveau au niveau. Mais c'est exactement le prix, la disponibilité, le cycle, le fait de se dire. Bon, je tape sur le micro. À partir du moment où on dit « vous ne saurez pas le faire tout seul », il faut le reconnaître.
dire, OK, mais comment on vous accompagne? Et c'est là où bah, on est en train de travailler avec Acima, donc l'agence cyber malveillant, tout ce qui est le réseau des experts cyber, en disant tous les petits qui ne comprennent pas, ne leur mettons pas plus de stress. Notre exigence, ça ne sera pas forcément est-ce que vous êtes conforme? C'est est-ce que vous avez quelqu'un, un contrat avec quelqu'un qui, lui, est référencé, lui est certifié, lui est conforme, qui va venir vous aider? Parce que, franchement... Hein, c'est le contrat juridique de vente. C'est dans ton contrat, quand tu vas travailler avec un fournisseur, tu peux demander à que ce fournisseur remplisse certaines exigences. Oui. Bah, et dans ces exigences, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande quand on travaille de façon professionnelle? On a une responsabilité civile, on est assuré sur ses locaux, etc. Il y a un certain nombre de choses qui apparaissent dans le contrat. Rajouter la ligne, est-ce que vous êtes assuré au niveau cyber? Bah, c'est juste une ligne. Si vous ne l'êtes pas, bah, je suis désolé, vous n'êtes pas conforme, on ne peut pas travailler ensemble. C'est quelque chose qui se fait, il n'y a pas de... Et il ne faut pas oublier, parce que là, aujourd'hui, c'est facile de taper sur les TPE-PME, mais il y a encore 5 ans, 6 ans, le risque en ransomware n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et il y avait très peu d'entreprises qui déposaient le bilan, qui étaient mis en arrêt d'activité à cause des attaques informatiques. Il y avait du sabotage, de l'espionnage, il y avait d'autres choses. Mais le risque aujourd'hui qu'il y a de la destruction du système d'information, c'est vraiment très présent depuis les années 2020 à peu près qu'on voit ça arriver, et c'est ce nouveau risque que beaucoup de chefs d'entreprise disent « mais moi, ce n'est pas mon cœur de métier », alors que ça va devenir une obligation comme on doit s'assurer. Quand on va faire un emprunt immobilier, c'est un très bon exemple, on vous demande de remplir un questionnaire de santé, voilà, c'est la même chose. Si la personne veut mentir sur son questionnaire de santé, elle ment, hein, mais elle ne sera pas derrière quand il y aura un problème. Mais justement, si on a une TPE-PME, on va rendre la parole, mais si on a une TPE-PME qui est dépendante pour survivre d'un contrat, même si elle ne comprend pas la réponse, elle répondra quoi? Elle répondra oui. Elle va s'engager, oui. Elle va s'engager, parce qu'elle se dira plutôt qu'un risque maintenant de mourir tout de suite, ou le risque potentiel plus tard de cyber. Donc quel niveau de confiance? Et c'est là où on va repartir sur comment on évalue les fournisseurs et tout ça. Comment on fait pour établir ce lien de confiance? Alors, je vais vous donner un peu ce qui se passe à distance. Je vais vous lire quelques commentaires. Donc, Steven qui dit « Par définition, la conformité est toujours en retard sur la sécurité puisqu'elle découle de problématiques à un instant T et leur mise en place étant longue et compliquée, il y a une dette de sécurité naturelle qui s'installe. Il faut probablement trouver le juste milieu entre les deux et auditer de manière objective et régulière. » Patrice qui dit... Alors, Patrice, je vais lire ton commentaire juste après parce que ça va avec ma question. Olivier qui dit « Pour avoir traversé 9 entreprises, aucun ne m'a jamais indiqué à mon arrivée une politique de mot de passe et une explication des attentes concrètes de l'entreprise, la sensibilisation et les Serious Games sur le sujet sont très très récents. Or, changer une culture, ça prend du temps. » Et j'ai envie de rajouter une question cette fois-ci de Vince qui dit « L'ANSSI diffuse ou propose-t-elle un standard de sécurité des systèmes d'information pour ses filiales ?» Est-ce que ça, vous le savez ? Aujourd'hui, parce que là, on est en train de parler notamment des tierces, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces filiales ? Et puis, j'avais vu une autre question aussi de quelqu'un qui demandait « Est-ce que la maison mère peut demander un contrôle de la sécurité des filiales ?» Normalement, alors oui, ça dépend le contrat. Mais en tout cas, nous, on a des clients qui, en tout cas, demandent à leur filiale de se faire auditer donc par nous, en l'occurrence. Et par contre, alors là aussi, hein, on n'est pas toujours bien accueillis en tant qu'auditeur. Des fois, en fait, tout dépend comment la maison mère nous introduit et nous met en relation. Et comment elle introduit aussi l'audit. Si c'est, donc déjà, si c'est elle qui paye, déjà, c'est déjà... un grand avantage. Et puis si elle nous dit, l'idée c'est d'améliorer votre sécurité, c'est pas de vous juger, parce que souvent le problème qu'on a en face, c'est qu'on a des admins qui se sentent jugés, et des fois ça va même jusqu'au PDG de la filiale. Si jamais on oublie cette phase-là, là on est bien accueilli, mais dans la plupart des cas ça se passe bien, mais des fois les informations qu'on demande, on met un peu de temps à les avoir, on les a pas de façon exacte. Et on doit revenir un peu plus à la charge. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire là-dessus. Alors justement, pour revenir sur les audits, quelle est la réelle efficacité des audits de conformité périodiques sur les vulnérabilités qui sont détectées, Michel ? Mais qu'est-ce qu'on évalue pour les rendre efficaces déjà ? Donc ça, c'est une bonne question par rapport à l'audit. Est-ce qu'on évalue des principes ? Est-ce qu'on revoit des process ? Est-ce qu'on fait des analyses sur la partie réglementaire ? Est-ce qu'on analyse la posture ? Parce que la posture joue beaucoup dans la culturation et dans la sensibilisation, la maturité d'une filiale. Et est-ce qu'on a accès aux outils de sécurité ? Est-ce qu'on a des outils de sécurité qui nous permettent de monitorer un périmètre agrégé des vulnérabilités pour les prioriser ? C'est tout ça qui va rentrer dans le succès de cette efficacité d'audit. Moi, je partage l'avis que, justement, faire des audits, c'est très bien. Ça permet de se regarder, savoir où est-ce qu'on en est dans notre sécurité.
pour revenir à ce qui était dit juste avant, sur cet esprit de confiance, justement, sur cet esprit de notion de passer un seuil de conformité et puis ensuite continuer d'avancer et puis redescendre. Déjà, il y a le maintien en condition de sécurité, c'est déjà un combat permanent. Donc déjà, rien que d'essayer de faire ça, effectivement, on va forcément être en avance sur la conformité. Ça, c'est inéluctable. De toute façon, on est tout le temps en retard sur la gestion de l'obsolescence, c'est inné. Ou sur la nouveauté des attaquants. Sur voilà, l'ingéniosité des chercheurs qui ne sont pas forcément pour notre bien. Mais si on peut travailler en confiance et en transparence avec nos filiales, on se met à côté d'eux pour auditer et que justement, on n'est pas dans une étape de jugement, mais dans une étape de progrès pour identifier les zones à renforcer, identifier la progression de la sécurité de la filiale, on va réussir à avancer vers de la sécurité finalement. Et là, on va avoir un échange sain, et là, on ne va pas avoir une épreuve d'évaluation de « il faut être conforme » on est super dans le papier qu'on s'est engagé. Donc là, on monte notre niveau de sécurité et tout le monde est gagnant finalement. Après, surtout sur les méthodes d'évaluation, comme on disait tout à l'heure, il y a un niveau de confiance qui peut être accordé plus ou moins fort. On a la méthode hyper light qui va être le questionnaire d'auto-évaluation. Donc là, c'est le niveau de confiance le plus bas. Et puis après, on a donc tout ce qui peut être peut-être phase de scan externe, réputation. Après, on a tout ce qui est la partie audit, questionnaire avec preuve et ensuite audit, où là, on va aller encore plus loin. Et puis après, on peut mettre ensemble tous les moyens qu'on a, même avec des solutions qu'on peut même déployer dans la filiale ou sous le sous-traitant, si jamais il y a un accord là-dessus, pour avoir des relevés techniques. Et là, on peut avoir un niveau de confiance supérieur. Mais c'est sûr que ça demande du temps, ça demande du budget. Si on a 150 filiales à auditer, à un moment donné, on peut commencer le premier peut-être jet de regarder un petit peu sur un type de questionnaire ou un type de test, qu'est-ce que ça donne, et de pouvoir aussi regarder la sensibilité et la gestion de risque. Si on a demain trois filiales qui sont essentielles à notre business, ben peut-être qu'on va peut-être commencer par celle-là et regarder les autres un petit peu plus tard avec du budget qui nous restera éventuellement. Alors, pour vous donner un peu la température à distance, donc le public est assez content puisqu'on nous dit que c'est très intéressant. Quelqu'un qui dit, ma foi, l'intervention de la personne traitant le sujet de l'audit m'a l'air tout à fait objectif et clair. Et JF qui a décidé également de partager dans le chat les recommandations de l'ANSSI. Pour alimenter la discussion. Alors, je reprends le commentaire de Patrice que j'ai sauté tout à l'heure, parce que c'était une de mes questions, mais je vais quand même le lire. Donc, Patrice qui dit « Les passkeys ont l'air de plus en plus de remplacer les mots de passe en s'appuyant sur une donnée biométrique, empreinte digitale ou reconnaissance faciale, ou encore sur le code PID de verrouillage d'écran de l'appareil utilisé. » Alors, justement, Patrice, c'était ma prochaine question, puisque je voulais montrer la chose suivante. Google souhaite forcer l'abandon du mot de passe en faveur des passkeys, donc des passkeys, comme le disait Patrice, qui vous permettent, en fait, d'accéder à vos messageries ou à vos contenus via une reconnaissance faciale ou une empreinte comme ce qu'on a aujourd'hui sur les iPhones. Donc, on lâcherait, on abandonnerait les mots de passe. Tout à l'heure, Benoît, tu parlais des mots de passe en disant qu'ils sont de plus en plus longs, que c'est de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que réellement, c'est une bonne chose d'aller vers cette direction-là, c'est-à-dire d'abandonner les mots de passe, quand on sait qu'aujourd'hui, le phishing passe par ce genre de... C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait le même type de risque ? Bastien et puis Benoît ? Alors, c'est une, je pense, une belle évolution de pouvoir, pour les utilisateurs standards, de se passer des mots de passe. Ça, c'est sûr que ça serait... je pense que c'est le rêve de tout RSSI, si jamais il peut vraiment avoir de la reconnaissance faciale fiable ou biométrique à la place du mot de passe. Ça éviterait les mots de passe qui sont courts ou qui sont changés trop fréquemment et qu'on oublie et qu'on a sur un post-it ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, il y a Google, mais il y a aussi Microsoft et surtout, en fait... Surtout Microsoft, parce que c'est omniprésent aujourd'hui en entreprise. Avec Windows Hello, vous avez la possibilité de faire du sans mot de passe, sauf que en fait, dans les cas concrets, nous, on ne le voit pas sur le terrain. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt, parce que sur les années de production, on en est encore très loin. On est encore... Le Windows Hello, par exemple, c'est un niveau de schéma Windows 2016, donc pour l'AD. En fait, on a encore beaucoup de clients qui sont encore en 2012. Donc, il y a tout un héritage, un legacy qu'il faut prendre en compte. Et généralement, quand il y a une innovation qui est... Alors, c'est sûr, le Face ID sur iPhone, ça marche super bien.
ça montre que ça peut marcher. Mais que quand ça arrive en entreprise, il y a du temps. Et je pense que là, la fin des mots de passe, peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais aujourd'hui, déjà, si on avait du MFA pour tout le monde, donc mot de passe plus un OTP ou une passkey supplémentaire, ou même quelque chose de physique, hein, ça serait déjà bien. Aujourd'hui, on le voit chez les admins. C'est déjà pas mal, de plus en plus. Chez les utilisateurs standards, c'est trop compliqué encore. Et tout à l'heure, on évoquait des cas où je pense que c'est même pas envisageable. Mais il faut bien distinguer aujourd'hui les sociétés qui se sont lancées, qui se sont informatisées avant 2000 et un petit peu après, qui ont tout un legacy, tout un héritage, et celles qui se lancent aujourd'hui ou il y a peut-être 5 ans, qui peuvent déjà, par exemple, se passer d'Active Directory, peut-être directement être dans Azure Active Directory, donc l'Active Directory, mais géré par Microsoft dans le cloud, pour faire simple, où là, en fait, on a accès aux dernières technologies, je dirais, et on peut peut-être effectivement permettre à ces utilisateurs de ne pas utiliser le mot de passe, mais sur les AD de prod, c'est encore trop tôt, à mon avis, et aujourd'hui, sur le terrain, on ne le voit pas. Alors, pour réagir, le mot de passe seul, hein, le mot de passe seul, faut réussir à s'en sortir. C'est plus possible. Le mot de passe, même s'il est long comme ça, un keylogger qui fasse 4 caractères et qu'il en fasse 30, il le prendra. Un phishing, il le prendra. Un mec qui, dans le train, vous filme avec son téléphone, il le prendra, le mot de passe. Donc, le mot de passe a un niveau de robustesse très faible. Tant qu'on l'utilisait en interne de l'entreprise, bon, on arrivait à peu près à le gérer. Aujourd'hui, avec les usages cloud qui se généralisent, le login mot de passe pour accéder à une ressource cloud, donc accessible depuis n'importe où, c'est une plaie absolue. On se fait attaquer par des partenaires, justement, ou des fournisseurs qui se sont fait compromettre un compte mail qui était en login mot de passe et leur mail est utilisé pour nous écrire. Voilà, c'est le login mot de passe utilisable depuis n'importe où. Et ce qu'on voit arriver dans les nouvelles exigences de conformité, notamment le CES anglais, par exemple, ou Nice, le Nice 2, c'est tout ce qui est accessible en fait depuis l'extérieur, donc le cloud ou nos applis exposés, c'est une obligation d'avoir une authentification renforcée, donc du MFA, du push, on met ce qu'on veut derrière. Mais cette espèce de chaîne de caractères qu'on peut choper un peu n'importe où n'est plus un élément de sécurité suffisant, surtout quand on peut l'utiliser de l'extérieur. Il y a quand même une difficulté sur des environnements. C'est un peu trop facile de dire du legacy. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent du ZOS dans les grands comptes, hein, donc du mainframe. Sur du mainframe, mettre une clé USB, j'ai envie de voir, hein, ça peut être intéressant, ça sera un grand moment de solitude. Mais surtout faire de la reconnaissance faciale sur du réseau IBM, ouais, c'est pas prêt. Et c'est des choses qu'on dit, ça va mourir depuis 20 ans. Ah oui. Et 20 ans après, on met en production encore des mainframes. Donc le mot de passe a encore de beaux jours, malheureusement pour nous, quand on travaille en sécurité. Mais il y a des systèmes d'information qui ne peuvent pas s'en passer. Et où je te rejoins totalement, c'est tout ce qui est accessible par l'extérieur, tout ce qui est en surface d'attaque pour un attaquant externe, parce qu'il y a aussi les attaquants internes qu'on n'a pas encore parlé. Mmh. Il faut voir que pour ces technologies-là, c'est mort. Du double MFA, de l'OTP sur un mainframe, oui, ça peut marcher. Sur certaines applications, il faut que ton application puisse avoir été développée pour pouvoir supporter ce type d'authentification. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ouais. Après, il faut voir aussi par rapport à l'exposition. Je ne suis pas sûr. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans les banques pour le ZOS, mais je ne pense pas qu'il soit accessible au travers du réseau directement. On passe quand même par des zones qui sont bien segmentées. Enfin, j'espère. Ce sera la réponse. Et du coup, c'est plus l'utilisateur final qui est visé. C'est vraiment peut-être l'administrateur, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'arrive pas dans aucun système d'information, quelle que soit l'entreprise, le domaine. On met pas la personne qui met un mainframe disponible de l'extérieur sur Internet, c'est des centres de recherche, ça va être, etc. Mais une entreprise qui déjà ne le fait pas parce qu'elle paye à la licence. Et il y a de la charge CPU, donc il y a tout un système de facturation autour des CPU, des mainframes. S'il y a 200, 300 personnes qui s'amusent à vouloir se connecter, donc la facture va augmenter de façon drastique. D'accord. Donc il n'y a pas, on ne fait pas ce genre de choses. Oui, on bricole des solutions à base de bastions, on essaie de rajouter des couches, on essaye des choses comme ça, mais... Voilà. Aujourd'hui, cet abandon du mot de passe, ça fait très longtemps qu'on en parle. Mais je pense que, de toute façon, ça devient obligatoire avec le NIS 2, ça devient fortement présent. Enfin, on va devoir le faire.
Alors, je vous donne quelques commentaires à distance. Donc, Simon qui dit « Le second facteur physique semble être la méthode de sécurisation la plus fiable au ratio complexité. Cependant, c'est justement dit, les fonctionnalités sont là, mais pas utilisées. Et sur ces second facteurs physiques, on a des acteurs français en plus. Vince qui dit « Très intéressant le débat entre ce que l'on peut faire et ce que l'on peut réellement faire. » Et Abdel qui dit « Les mainframes sont partout en banque et assurance, on oublie les nouvelles techs. » Alors, ma prochaine question est la suivante. Quelles sont les meilleures pratiques pour assurer une conformité capacitaire, c'est-à-dire pour maintenir un niveau élevé de sécurité sur la durée, avec les ressources et les compétences qu'on a ? Benoît. Bon, je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. Et finalement, j'allais dire, c'est le faire au quotidien, c'est s'entraîner. On n'a pas aujourd'hui de référentiel sur combien il faudrait qu'on soit. Et puis, tu le disais, il y a des effets de seuil. Donc, est-ce que c'est du capacitaire interne ou du capacitaire externe ? C'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est les compétences surtout. C'est les compétences. Parce qu'on peut mettre 20 personnes dans une équipe de cybersécurité. Quand on voit qu'il y a beaucoup d'exemples que je vois, j'ai vu une entreprise qui me dit, moi je prends mes anciens experts comptables, je les recycle. Le terme recycler des personnes, c'est incroyable. Ils recyclent ces personnes pour qu'elles deviennent des experts en cybersécurité. Et ils me disent, ils ont tellement l'habitude de gérer des problèmes que, bon, en fin de compte, ça le fait. Alors que c'est juste, quand on entend ça, on se dit, ben, c'est pas ça un expert cybersécurité. C'est quelqu'un qui a une notion de système, de réseau, qui, voilà, je parle même pas de faire du reverse ou du forensic. Tu reçois des offres pour devenir expert en deux semaines. Oui. Voilà. Non, c'est une très bonne remarque. Sur le capacitaire, pareil, on a tendance à dire, ouais, mais c'est quoi votre budget cyber ? Et finalement, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. La difficulté, c'est plutôt d'avoir des ressources et des capacités à faire. Donc la nouvelle question qu'on pose aujourd'hui, ce n'est pas quel est votre budget cyber, c'est combien vous arrivez à dépenser en cyber. Si tu as, je ne sais pas, 1 million, mais finalement, moi j'ai 1 million en cyber. Puis à la fin de l'année, j'ai réussi à en dépenser 200 000 de façon un peu intelligente, parce que de toute façon, je n'avais pas les capacités à faire, je n'ai pas la bande passante, la DSI n'est pas disponible. Bah, c'est le vrai chiffre, c'est 200, ce n'est pas 1 million. Et c'est ça finalement, être honnête dans l'évaluation de notre capacité à faire. Bah, budget, compétences, se mesurer. Et alors après, il y a des boucles vertueuses aussi internes. Ça, c'est de l'interne. Quand on voit les fournisseurs, parce que le but de notre soirée, c'était sur les fournisseurs. Oui. Et quand on voit les budgets de certains fournisseurs, c'est des toutes petites structures. On peut prendre le cas de certains. Là, j'ai travaillé sur un fournisseur qui était très intéressant, c'était un serrurier. Ah oui, là, c'est vraiment petit. C'est petit fournisseur, donc ils sont une dizaine de personnes, c'est des serruriers, mais. Après, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme accès au système d'information et qu'est-ce qu'ils ont comme accès aux données sensibles ? Est-ce qu'ils ont accès à des plans de bâtiments, à des endroits qui devraient être plus en sûreté, etc. Et ça devient très intéressant de voir que dans les contrats aujourd'hui, de plus en plus, moi c'est ce que je vois à travers pas mal de groupes bancaires, c'est le côté, on a mis la notion cybersécurité. Et il y a obligation en cas de compromission du système d'information de contacter le client, mais pas le client de façon anonyme. Dans certains cas, nous, c'est le CERT qui est contacté. Voilà, j'ai été compromis, voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Ça, c'est vraiment le côté nouveau qu'on voit. Et ouais, sur ce qu'on appelle le risque fournisseur. C'est le risque fournisseur. Aujourd'hui, nous, on a identifié 4 risques fournisseurs. On reviendra sur cette notion d'ailleurs de fournisseurs, parce qu'on en parle un peu comme si c'était la faute d'un autre. Les 4 risques qu'on a identifiés sur les fournisseurs, c'est le premier, c'est le plus connu finalement, c'est la contamination. C'est celui avec qui on a des liens numériques ou qu'on échange beaucoup de mails et qui pourrait, façon aussi un peu la filiale côté NotPetya, c'est la contamination, ouais, c'est un risque IT. Le deuxième risque qu'on a identifié, c'est finalement la disponibilité. Bah, parfois, pour produire, on a besoin d'un élément particulier, on est en flux tendu, si le fournisseur n'est plus capable de nous fournir, bah, nous, on ne produit plus. Qu'on a un risque sur notre capacité à produire, donc disponibilité. Dépendance au fournisseur. Ce qui peut arriver avec des conditions géopolitiques, et sachant, comme il y a eu récemment. Exactement. Ou un concurrent, sans aller plus loin, un concurrent, quelqu'un qui dit « je veux voir ses clients chez moi ». Après ça, c'est un risque finalement, un risque achat. Les achats, ils gèrent déjà pas mal de risques vis-à-vis des fournisseurs. Robustesse financière, est-ce qu'ils sont en zone inondable, voilà. Le troisième risque, c'était sur ce que tu disais, on leur confie des informations à nous, quelles garanties on a qu'ils vont bien les protéger, que ces informations ne vont pas se retrouver dans la nature. Et le quatrième risque qu'on a identifié, et ça vient, ça va
gros impact dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les produits numériques, quelque chose comme ça, c'est finalement la confiance dans le produit numérique qu'il nous délivre et qu'on va intégrer dans notre produit à nous. Chaque fois qu'on achète ou qu'on récupère un élément numérique, qu'on l'intègre pour faire notre produit, finalement, c'est quoi le niveau de confiance ? Est-ce qu'il n'aurait pas été piégé en amont ? Est-ce qu'il n'a pas été modifié ? Voilà. Donc l'entreprise pourrait très bien fonctionner. Les mecs, ils pourraient être comme Notariat, présents depuis plusieurs années pour modifier, pour avoir un produit. Tu as eu le cas sur les cartes de HPMI. Ce sont les cartes qui permettent à distance de, de faire l'administration des serveurs quand il faut les rebooter. On n'a pas accès au data center, etc. Il y avait une marque d'un constructeur américain qu'on ne va pas nommer. Qui fait ses serveurs en Chine, et il y avait une petite soudure sur la carte supplémentaire qui permettait à un groupe d'attaquants de se connecter sur les machines. Ce qui est génial, c'est que c'était une administration en local avec tous les privilèges. Donc vous avez accès au disque dur, vous avez accès à la mémoire, vous pouvez récupérer les clés de chiffrement. C'est-à-dire que vous allez vous dire, j'ai chiffré mes disques, je suis protégé, je suis safe. Non, non, là le gars il récupérait tout. Ah, donc, voilà, ça fait partie des risques. C'est tout récent, ça. C'est pas si récent que ça. Hein. J'avais pas les cheveux blancs à l'époque. Sur la partie logicielle, c'est très arrive. Compliqué. Aujourd'hui, il y a tellement de dépendances. Quand on développe un logiciel, il y a plein de briques qu'on ne redéveloppe pas. Et s'assurer que les différentes bibliothèques qu'on va utiliser ne sont pas compromises à un moment ou à un autre, c'est hyper compliqué. Le sujet est... Log4j. Log4j, par exemple. Log4j. Très bon exemple. L'envoi de code demandé dans le contrat juridique. On vient toujours au contrat. Quand on travaille avec un fournisseur, on travaille avec un partenaire. Un fournisseur, c'est un partenaire. C'est pas quelqu'un, on va pas contre lui, on va travailler parce qu'il nous apporte de la valeur ajoutée. Et nous, on va essayer de lui apporter aussi de la valeur ajoutée via une facturation. Mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas arrêter le débat à ce niveau-là. Quand on parle de cybersécurité, il faut se dire, OK, qu'est-ce que je vais échanger avec ce fournisseur ? On revient au... Est-ce que ces données sont sensibles ? Est-ce qu'elles sont anonymisées, etc. Et à partir de là, on se fait un cahier des charges, que c'est des contrats types, c'est des templates. Et on peut avoir un indice de confiance. Mais il ne faut pas embarquer que les achats et l'expert en cybersécurité. Il faut aussi emmener le métier. Parce que c'est le métier réellement qui va dire qu'est-ce que fait mon application, quel est l'échange de flux que j'ai avec et quel est mon impact business. Quand on parle d'un serrurier, d'un peintre, tout le monde dit « oui, ce sont des métiers ». Sans être péjoratif, on va dire « ouais, il n'y a pas trop de risques ». Mais quand on se rend compte que la personne va avoir accès à des salles, là on va faire du fantasme dans la salle des coffres, et puis qui va avoir le plan, puis qui va avoir le code de l'alarme, et qui va stocker ça sur un post-it, sur sa caisse à outils, c'est pas la bonne approche. Et surtout qu'après, il va le mettre sur un WhatsApp, etc., il va partager le truc. Bon, ça, c'est clair. Il n'y a pas une sensibilisation de la part du donneur d'ordre. Le donneur d'ordre est responsable. Il doit sensibiliser ses fournisseurs. Il dit, je comprends que par rapport à la taille de votre entreprise, ça peut ne pas être une priorité, mais si vous voulez travailler avec moi, il faudra respecter ces règles. Quand on va sur une zone militaire, on n'a pas le choix, on doit respecter les règles. Votre téléphone, il va dans un sac, etc. On n'a pas le choix. Ben là, c'est la même chose. Et quand on commence à le faire, alors ça prend du temps parce que c'est facile quand on le fait dans Yaka Faucon, mais dans la vraie vie, quand on a plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs, avec, comme on disait, les problèmes linguistiques, de culture, etc., il faut que ça passe et que ce soit aussi en adéquation avec les règles locales et les lois locales. Je vais aller dans ton sens. Hein. On a tendance à dire... fameuse maxime, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est faux. Aujourd'hui, seul on va nulle part. On est dépendant de nos fournisseurs, on a besoin d'eux. Et là, on parle beaucoup de fournisseurs, partenaires qui seraient vulnérables. On avait dit fournisseurs, partenaires, est-ce que c'est le maillon faible ? Alors déjà, on est tous fournisseurs et partenaires de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Donc finalement, l'idée, c'est plutôt cette relation de confiance, est-ce qu'elle nous met en danger ? Et faire confiance, c'est prendre un risque. Donc, c'est là où on doit travailler. Et donc, l'objet, ce n'est pas de dire c'est leur faute. L'objet, c'est de dire pendant des années, on a travaillé chacun sur notre sécurité périmétrique. À nous, nos AD, nos machins, on a atteint un niveau qui est plutôt pas trop mal. Qu'est-ce qui se fait taper maintenant, c'est les plus petits. Puis on s'aperçoit qu'on dépend d'eux. Et là, on est en train de dire non, mais on est devenu des colosses au pied d'argile. On est hyper sécurisé. Mais pour vivre, nous, en tant que métier, pas en tant que cyber, en tant que métier, on a besoin des autres. Comment on fait ? Tous ensemble, fournisseurs, partenaires. Et on se met dedans pour finalement avoir le bon niveau, pour avoir confiance les uns les autres, au niveau dont on a besoin. Puis il ne faut pas oublier que dans les fournisseurs, il y a des fournisseurs qui ont accès au système d'information en profondeur, ça va très loin. Et aujourd'hui, le vrai risque qu'on n'a pas encore abordé, c'est le risque du déplacement latéral. C'est un attaquant attaque une petite TPE, il se rend compte, c'est une petite TPE, il y a 30 000 euros de trésorerie, etc., il fait le tour. Il dit, je vais lui mettre un ransomware sur le principe pour faire ce que j'appelle le retour sur investissement. Puis, quand il va faire l'exfiltration de données, il se rend compte qu'il est connecté à un grand compte
qu'il a des privilèges sur des serveurs Citrix. Et puis, il va se déplacer de façon latérale. Et il se dit, tiens, en fin de compte, j'ai accès à quelque chose où il y a plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est le vrai risque, c'est de se dire, on ne peut pas tout surveiller, mais là, on se dit, mais ces personnes-là ont accès en profondeur à notre SI, qu'est-ce qu'on met en place pour être sûr que c'est légitime et pas... Parce qu'il va venir avec un compte légitime, il va reprendre des mots de passe et des identifiants. Le cas de quelqu'un qui se connecte à 2h du matin, alors que l'entreprise est fermée en théorie, est-ce que c'est normal ? Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, c'est facile, on fait un use case dans un SOC, une détection sur le SIEM, une connexion. Non, c'est pas vrai. Sur une boîte à papa où il y a 10 postes, on peut le faire. Sur des grands groupes, sur plusieurs centaines de pays, non, ça ne marche pas. Ouais. On le verra après, post-mortem, on va voir tout ça. Mais sur le coup... Mais ce qu'il faut accepter, c'est de se dire, toutes les sociétés, un jour ou l'autre, vont se faire attaquer et compromettre. La question, c'est, au bout de combien de temps je suis capable d'identifier que je me suis fait compromis. Et en fait, la vraie question, elle est là. Si jamais j'arrive à identifier au bout de quelques heures que je me suis fait compromettre, bah, les dégâts seront moins grands. Et, non, mais nous, on le recrute, celui-là. Hein. C'est quelqu'un des... Et voilà. Mais si jamais, par contre, on a eu le cas de... Tout à l'heure, on parlait de TV5 Monde, avant qu'ils coupent la chaîne et la diffusion, il y avait 5 mois où ils étaient dans le réseau, où ils ont appris à comprendre comment le système de diffusion fonctionnait, comment les backups étaient faits pour pouvoir aussi les supprimer. C'est toujours plus fun quand on supprime les backups ou les machines qui sont censées prendre le relais quand les machines principales tombent. Et ben donc là, ils ont pas réussi à l'identifier jusqu'à ce que tout crache. Et en fait, les filiales ou même la société mère, hein, l'idée, c'est de se dire mes filiales peuvent aussi se faire compromettre autant que moi. Au bout de combien de temps j'arrive à les détecter si jamais le SI est vraiment interconnecté. Ça, après, tout seul, si c'est des petites filiales, ils ne vont pas y arriver. Donc, il faut peut-être leur mettre aussi à disposition des solutions de monitoring et aussi de la formation, comme on disait tout à l'heure, etc. Mais en France, on a quand même la chance. On a quand même la chance d'avoir la NSSI qui fournit un certain nombre de guides. Ce n'est pas parfait, mais on a cybermalveillance. On a quand même le COM cybergendarmerie qui travaille énormément. Il y a énormément de... L'État a pris vraiment sa place sur le domaine cyber. Et sans avoir des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros, etc., on peut se dire, bon, suivant un petit peu de ces conseils, ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas le truc exact, mais au moins, on va complexifier l'attaquant. Et les attaquants, ils sont, comment dire, c'est des vrais informaticiens, ils sont feignants. C'est ça qu'on reconnaît un vrai informaticien. Donc, si c'est trop dur à compromettre, eh bien, il va passer au suivant. Toujours. Parce qu'il sait qu'il y en a qui aura fait moins d'efforts sur sa sécurité. Et une fois qu'on arrive à sensibiliser ses fournisseurs, bon, les filiales, ce n'est pas trop un sujet dans des grands groupes, mais dans notre cas, dans certains cas, mais c'est surtout le fait de dire, voilà ce que vous allez risquer, voilà ce que nous, on risque. Et surtout, on ne va pas travailler ensemble si vous n'êtes pas sensibilisés. C'est le point vraiment important. Aujourd'hui, quand on est donneur d'ordre, c'est notre travail un petit peu d'évangélisation, c'est de dire, ce n'est pas le cœur du métier, mais attention, si vous nous mettez en risque, nous, on n'acceptera pas ce risque. J'ai deux remarques. La première, c'est ce que tu disais sur on les détecte en quelques heures. Et finalement, ça, c'est un indicateur capacitaire. Et c'est quoi la bonne durée ? Tu vois ? Et cette durée... Ouais, c'est ça. Mais c'est rien, je crois que c'est 9 mois. Le temps, il se réduit. C'était 54 jours, le dual time. Dans un environnement un peu professionnel différent, on s'était dit, on a 72 heures. Parce qu'entre le moment où le mec, il clique, et le moment où il se latéralise profondément, si on le trouve dans les 72 heures, c'est pas mal, surtout qu'on est plutôt pas mal configuré, donc la latéralisation n'est pas simple. Quand est arrivé zéro logon, là, les capacités de passer du poste à l'AD est tombée en durée drastiquement. C'était tombé de plusieurs jours à max 3 heures. Il y a eu plusieurs débats sur la durée, mais c'est la réponse à cette évolution soudaine, en disant non, mais notre fragilité diminue, il va passer, c'est plus 72 heures, maintenant il faut qu'on le trouve dans les 2 heures, et on ne sait pas le tenir cette durée. Et bien là, le traitement de l'incident, c'était plutôt côté DSI, architecture, tout le monde a levé les mains, et on a dit ok, comment on remélange tout ça pour essayer de retomber, où sont les fragilités, donc une analyse de risque un peu continue, en disant où sont les fragilités pour remonter à un niveau acceptable de durée de détection. Et l'autre élément, c'était, je vais juste un petit peu mettre en opposition, tu disais, les attaquants sont des feignants. Ceux qui veulent faire de l'argent, oui.
Ah, on parle des cybercriminels, on ne va pas parler des États. Et voilà. Et après, le cybercriminel, c'est quelqu'un qui n'a pas à se fatiguer, parce qu'il y a tellement de cibles aujourd'hui d'ouvertes. Il ramasse, il ne va pas se dire, pourquoi je vais aller m'attaquer à un gros. Et puis un cybercriminel qui trouve une entrée intéressante, finalement, il va la revendre. Mais exactement. Et on a le cas très qui s'est passé il y a quelques semaines sur la première banque mondiale, la banque chinoise. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Quand on voit l'attaque, c'est juste enfantin. Ils ont pris une vulnérabilité sur Citrix. Il y avait un exploit, donc il y avait des personnes qui avaient publié sur GitHub cet exploit. Et ils ont juste scanné des IP. Ils sont rentrés dedans et se sont retrouvés dans la première banque du monde, avec un accès direct au trésor américain. Et là, pour eux, les gars, je pense qu'ils ont dû faire, c'est jackpot. Bon, le problème, c'est que ça a été coupé tout de suite, etc., tout ce qui va autour, mais il y a eu un incident de sécurité, mais ça a été détecté sur une simple vulnérabilité. Alors, c'est le message que je passe à tout le monde et à tous les auditeurs. Si vous avez du Citrix exposé sur Internet, il faut patcher. En ce moment, je vous le conseille fortement. Et Cisco, là, il y a quelques semaines, un CVSS 9.10 Tout à fait. Non, 10 ah, pas loin. Aujourd'hui, ce qui est terrible dans cette vulnérabilité, elle est sortie fin septembre. Mi-octobre, il y avait le POC. Bon, mi-novembre, ils se sont fait compromettre parce qu'ils se sont mis à scanner. Et scanner 4 milliards d'adresses IPv4, c'est pas quelque chose qui prend des mois. C'est un message aussi qu'on fait passer. Alors, quand on en parle à des non-initiés, ils vont dire « Ah bon, ils ont fait 4 milliards d'adresses IPv4 ?» Non, c'est en quelques heures, voire à peine une heure pour certains. Et ça ne se voit pas toujours. On ne les détecte pas toujours qu'ils sont en train de scanner. Parce qu'ils scannent en continu, il y a plein de robots qui passent. On n'est pas sûr que ce soit un robot malveillant ou un robot d'affrontement. La détection sur Internet, c'est autant en interne, c'est compliqué déjà, mais on sait que c'est sur notre réseau, autant sur l'externe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a surtout le fait que si tu peux compromettre des sondes de scan qui sont, entre guillemets, autorisées par des fournisseurs qui proposent ce type de service, tu compromets une de leurs machines, c'est des cas qu'on a déjà vus, et tu te fais scanner, tu penses que c'est légitime, et en fin de compte, c'est quelqu'un qui a démarré une phase de scan et qui va récupérer de l'info. Ouais. On va passer à la prochaine question. C'était très intéressant. Ça finit à 22h, on est d'accord. Hein. Oui. Alors, on a eu des demandes apparemment pour que l'émission dure plus d'une heure. On y réfléchit pour 2024, mais ce soir, ce sera que une heure, donc il nous reste encore deux questions. Et justement, Marc-Frédéric, ça reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ça, c'est une information que j'ai reçue selon une étude du cabinet Astras qui dit que les PME ont subi 330 000 attaques contre 17 000 pour les grandes et moyennes entreprises. Je pense que nous, dans l'écosystème de la cybersécurité, on le répète, les TPE-PME, c'est des cibles de choix, déjà pour reprendre ce que vous disiez depuis le départ, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de les attaquer, il y a peut-être plus de chances. C'est le cœur de l'économie, il ne faut pas le cacher. Et c'est le tissu économique de la France, tout à fait d'accord. Ce sont des TPE, PME qui font vivre le pays. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir, face à l'augmentation des cyberattaques, mais en même temps, au coût que cela demande d'être conforme, puisqu'on demande de plus en plus de conformité, comment fait une TPE, PME ? Est-ce que les coûts sont partagés entre eux et les prestataires ? Comment elles peuvent gérer ça ? Je pense qu'elle n'a plus le choix. Ouais. Il y a une répartition des... Voilà, je vais répondre à la question. Donc, la reconnaissance du risque cyber, ça commence. On est au début du chemin. Il faut que ce soit vraiment initié et il faut que ce soit comme le contrat de l'emprunt immobilier est un très bon exemple. On doit remplir un questionnaire de santé. Ben là, c'est pareil. Quand on va vouloir travailler avec une grande entreprise et qu'on est une TPE ou une PME, ben, il va falloir remplir ce questionnaire avec des assurances et un certain nombre de protections. Ça va venir, c'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'a pas une responsabilité civile. C'est exactement la même chose. On va arriver à ce niveau-là. Au niveau de la répartition des coûts, il faut pas demander l'impossible à une TPE. On ne peut pas demander à une TPE du WFA, de l'OTP, etc. Le gars, il va vous regarder, il va fuir. Il va dire, non, mais ce que vous me demandez d'investir, c'est la marge opérationnelle que je vais avoir sur votre contrat. Donc ça, on ne peut pas. Mais il faut, au contraire, le sensibiliser et lui montrer le risque qu'on est prêt à prendre avec lui ou pas. Parce que c'est un risque qui est partagé. Le défi, c'est de... Pour toutes ces entreprises, il ne faut pas le cacher, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais il faut ne pas oublier qu'en France, on a beaucoup d'aides. Que ce soit les chambres de commerce, que ce soit la NSS. Bon, je ne vais pas leur faire la pub toute la soirée, mais il ne faut pas le cacher. On a une super agence. Et derrière, on a aussi des gendarmes et des policiers qui sont là pour aider. Pas pour faire de la sensibilisation, mais pour aider. Et ça sera même un des messages que je passerai pour les TPE, PME. Si vous voyez une compromission ou une tentative de compromission, il ne faut pas hésiter, vous allez d'abord déposer plainte. Parce que c'est grâce à ce type de dépôt de plainte qu'une investigation judiciaire va avoir lieu. Ils ne seront pas arrêtés dans la minute.
Mais au bout de quelques mois, on va pouvoir remonter tous ces fameux réseaux mafieux. Moi, je vais parler de cybercriminalité avant de parler des États. Et ce qu'on constate aujourd'hui, sur ce type de choses, les TPE-PME ne savent pas quoi faire. Je me suis fait attaquer, est-ce que je dois payer la rançon? Alors la question, c'est non, on ne paye pas la rançon. On va d'abord déposer plainte, ensuite on va voir son banquier pour protéger son argent. C'est vraiment le point à faire. Et ensuite, on prévient ses clients. Et si on n'a pas d'assurance, il faut faire appel à une entreprise experte. C'est des choses qui sont très basiques, très simples. Et pour moi, c'est en parlant et en partageant sur ce type de problématiques, et c'est ce que j'ai constaté dans toute mon expérience professionnelle, toutes les TPE, PME qui se sont retrouvées confrontées à une cyberattaque, plus elles ont été transparentes, et mieux ça s'est passé pour elles, elles ont toutes redémarré. Toutes celles qui ont voulu cacher sous le tapis, ne rien dire, etc., ils vont mettre plusieurs mois à se relever, voire pour beaucoup déposer le bilan. Et ça, c'est important. Donc la répartition des coûts, elle doit être dans les deux cas, mais il ne faut pas demander l'impossible non plus à un petit fournisseur. Par contre, si vous décidez, on va prendre le cas, vous êtes un grand marchand sur Internet, vous vendez beaucoup de produits pour Noël, vous décidez d'avoir un flux financier avec ce partenaire, vous allez lui imposer un certain nombre de règles. Vous n'allez pas l'ouvrir juste pour cloquer le contrat. Aujourd'hui, finalement, on a vu qu'on est dépendant de nos fournisseurs, de nos partenaires. Changer de fournisseur, c'est très compliqué. Quelle confiance on a dans ce qu'on récupère. Et finalement, avoir un partenaire qui a un bon niveau de sécurité, pas démentiel, juste adapté à ce qui... C'est un critère de qualité. Exactement. Et aujourd'hui, voilà... Et tu peux vendre plus cher. Eh bien, exactement. Surtout, tu peux vendre plus cher ta prestation. Le surcoût de la sécurité, si une PME me dit, moi, je suis obligé d'augmenter mes coûts de 4% ou de 3% parce que j'ai mis ça en place. Donc, c'est ce qu'on appelle les enquêtes de coûts. Dire, voilà, mais par contre, je renforce ce lien de confiance. On sait qu'on va travailler longtemps ensemble. On sait qu'on va protéger vos informations. Finalement, ce qu'on dit, la confiance n'a pas de prix. Bon, si, quand même. Faut un petit peu. Mais voilà, non, mais elles n'ont pas à l'assumer seules. Parce que c'est un gain pour nous. Mais inversement, moi, vis-à-vis des autres. C'est ça. Cette confiance, elle a un coût. Et elle ne sera pas noyée et elle ne doit pas manger la marge. Et puis, on arrive donc à cette dernière question. Comment l'automatisation peut-elle être utile pour améliorer la surveillance et la gestion de la sécurité des systèmes comme l'Active Directory et donc pouvoir potentiellement permettre d'améliorer en tout cas les infrastructures critiques, en tout cas de les surveiller? On en a déjà pas mal parlé, mais automatiser, ça permet de... Effectivement, on fait un audit aujourd'hui, demain il est peut-être plus valide, un audit vraiment avec des personnes et des relevés, etc., où on fait un rapport, un constat, on n'est pas à l'abri que demain il soit plus valide parce que dans un système comme l'AD, l'Active Directory, tout bouge tout le temps. Vous avez un AD de 50 000 comptes, vous en avez tous les jours qui arrivent, vous en avez tous les jours qui sont supprimés, vous avez des admins qui mettent en place des nouveaux serveurs, des nouvelles applications, des nouvelles machines. Donc, sur des systèmes qui bougent tout le temps, le contrôle en continu. Alors, ça peut être un contrôle qui donne un constat à l'instant T qu'on fait plusieurs fois, peut-être plusieurs, une fois par semaine ou une fois par mois pour avoir un niveau et qu'on puisse faire un comparatif. Après, ça peut être aussi tout ce qu'on a peut-être moins évoqué, mais enfin, quoi que si, les CIEM qui vont faire de la collecte de logs et qui vont aussi regarder tous les événements qui se passent et... Alors ça va dépendre aussi des moyens capacitaires qu'on a, etc. Mais le nombre de personnes qu'on a derrière un CIEM pour regarder les logs et pour remonter d'éventuelles alertes qu'on a mis en place et qui doivent être pertinentes selon les différents métiers. Il y a beaucoup de critères, beaucoup de conditions. Mais si on a déjà quelque chose où on arrive à voir des choses sur le réseau et des choses anormales, c'est déjà pas mal. Après... c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de monde, surtout. Là, tu parles de use case, c'est de l'automatisation. Ah ouais. Tu ne peux pas dire, je vais mettre 300 personnes à regarder des logs toute la journée. Déjà, tu n'as pas une entreprise qui va accepter de payer que 300 personnes regardent des logs. Non. Mais c'est surtout le fait que quand tu fais tes use cases, tu vas commencer par un use case, tu vas en mettre un deuxième, un troisième. C'est ça, pour voir, parce que sinon, c'est trop verbeux. Et là, j'avais parlé tout à l'heure de la difficulté sur les horaires. Par exemple, quelqu'un qui se connecte à 2h du matin. Mais il faut savoir dans quel pays il se connecte. Donc, il faut avoir toutes ces informations, il faut les collecter avant, fabriquer ce use case. Et ce use case, ce n'est pas il n'y a qu'un faucon, en 10 minutes, j'ai fait les règles. Parce qu'écrire les règles dans son CIEM pour avoir une détection à 2h du matin, il n'y a rien de plus simple. Par contre,
Est-ce que cette personne est légitime ou pas 2h du matin? Est-ce qu'elle n'est pas en déplacement professionnel? Sur des grandes entreprises quand tu es sur les différents continents. Est-ce qu'elle n'a pas un truc à livrer tard le soir? Ouais, c'est ça. Avec tout ça, 2h du matin. Non, 2h du matin, non, non. C'est pour ça que quand il y a un stock qui se met en place, s'il n'y a pas le métier qui est dedans ou où il n'y a pas une prise de contexte, les règles par défaut, ça ne marche pas longtemps. Hein. On va avoir tout en rouge, on va tout laisser passer. Et puis c'est comme ça qu'après, quand on fait des audits, le RSSI vient nous voir et dit « mais vous avez pas, enfin, on ne vous a pas identifié ». Bah ouais, mais pourtant on a fait des actions très basiques, mais c'est parce qu'en fait ils ne regardent plus les logs. Et voilà. Et je disais, ouais, les solutions d'automatisation, ça ne suffit pas parce que des fois la solution peut être pas bien calibrée ou elles peuvent ne pas remonter certains indicateurs. Et donc dans ce cas-là, il faut refaire de temps à autre quelque chose de plus coûteux. C'est-à-dire, ça va être notamment des audits qui vont permettre de remettre un petit état des lieux sur tout ce qui est mis en place, tout ce qui a été fait, ce qui est regardé, et peut-être qu'il y a quelques trous dans la raquette qu'on n'aurait pas vus. Et voilà. C'est là où justement, je pense que l'outillage a son importance, parce que là, tu parles de SIEM. Aujourd'hui, il y a quand même des plateformes qui viennent agréger pas mal de résultats, qui viennent les traduire SIEM plus SOAR, justement pour proposer de la réponse automatisée le plus possible avec une intelligence. Qu'on ne va pas nommer parce qu'on en parle tout le temps, mais justement, le fait d'utiliser cette intelligence pour pallier à nos capacitifs problématiques à date, s'équiper avec les bons outils, c'est très important à date, je pense. J'aimerais vous pour rester sur le sujet, enfin pour revenir surtout sur le sujet des TPE-PME, on a Axel qui pose la question, des chiffres sont souvent cités affirmant que 60 à 70% des TPE-PME attaqués déposent le bilan, est-ce vrai? C'est vrai que moi, j'ai vu ces chiffres. Eh ben, j'en sais rien du tout. Ça me semble beaucoup, mais incapable. Voilà, il y a aussi le fait qu'il y avait quand une entreprise se retrouve dans l'incapacité de travailler, il y en a qui ont été très surpris. Il y en a qui allaient voir leur banquier pour leur dire « Je voudrais avoir un prêt à la conso pour payer ma rançon. » Ça ne marche pas. C'est un scoop, hein, je vais vous le faire. On ne peut pas aller voir son banquier demander un prêt à la consommation pour payer une rançon. Ça s'appelle du blanchiment, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Le côté où beaucoup d'entreprises se sont retrouvées en très grande difficulté, c'est qu'elles étaient déjà fragiles en trésorerie, elles se retrouvent sans pouvoir encaisser. Et la chose naturelle, quand vous ne pouvez pas payer vos charges, etc., vous allez jusqu'au dépôt de bilan. Donc les 70%, je prends ça avec beaucoup de prudence. Ce qu'on peut constater à travers les dépôts de plainte quand on discute avec les officiers de gendarmerie ou de police judiciaire, on serait plutôt sur une entreprise sur trois aurait de très graves difficultés suite à la cyberattaque en tant que telle. Par contre, s'il y a le contexte où ça déjà c'était péricliteux avant, qu'il leur fallait des aides, etc., là c'est fini pour eux, c'est juste un coup de fusil, quoi. Ouais. Je ne sais pas si elles déposent réellement le bilan toutes, mais en tout cas, j'ai vu une étude... Pas toutes, non, il y en a qui survivent. Ouais. Hein. Non, mais 70%, c'est beaucoup. Hein. 70%, ça représente beaucoup. Et justement, la moyenne, je crois, pour 2022, elle stagnait autour de 18 000 euros pour le coût d'une attaque cyber pour une TPE-PME. Donc, on peut imaginer des TPE-PME qui arrivent à s'en sortir avec une attaque qui lui coûte 20 000 euros et une autre qui n'y arrive pas. On a justement cette fragilité financière. Alors, dont on parle. Il faut faire très attention. TPE, on parle d'entreprise de, entre guillemets, de 2 à 15 personnes. Ou auto-entrepreneur. Ou auto-entrepreneur. Et puis après, il y a la PME où ça peut aller jusqu'à 200 personnes, voire 300. Et moi, j'ai vu un cas où j'ai eu la chance de pouvoir participer, qui était en dehors de mes activités professionnelles. Et c'était très intéressant. Le chef d'entreprise, et c'est une belle entreprise, ils sont 600 collaborateurs, ils font un très bon chiffre d'affaires. Il se fait chiffrer. Ils sont sous Windows, et le boss, quoi, mais vraiment le boss, il fait « je l'accepte pas ce truc-là ». Donc il dit « je refais mon système d'information de zéro, l'erreur stratégique, j'écoute pas les experts ». Et il a commandé des Mac. Ouais, c'est mieux. Il est passé sur Mac, alors très bien, déjà les collaborateurs n'étaient pas formés au Mac. Mais surtout ils se sont retrouvés « bon ok, j'ai un Mac sur mon bureau, mais maintenant je fais quoi ?» Et c'était une entreprise qui avait des systèmes du type ZOS à S400 et ils n'avaient rien prévu. Ils pensaient régler le problème juste avec son chéquier et en moins de 2 semaines, il a mis 6 mois. Il est revenu sous Windows. Hein. Ouais, là, finalement, parce que ces applicatifs legacy ne pouvaient pas fonctionner et il a licencié une bonne partie de la boîte. La première recommandation ou exigence finalement, c'est,
c'est quoi vos sauvegardes et en combien de temps vous arriverez à reconstruire. Le premier conseil pour les TPE, PME, c'est faites des sauvegardes hors ligne. Surtout restaurer. Faites des sauvegardes, oui, mais faites un essai de restauration une fois. Si c'est de la compta ou des jeux de fichiers, on imagine qu'ils arriveront à restaurer, mais qu'ils les mettent ailleurs que dans leur système d'information. Et ça, on ne peut pas le tester de façon automatique. Non. Ça, c'est uniquement, on va voir la personne, elle nous montre les backups, on regarde la dernière date des backups, puis on lui demande s'ils ont des preuves de test de restauration, si on ne va peut-être pas faire un test de restauration en live. Mais ça, c'est les backups, c'est un des trucs qu'on ne peut pas vérifier de façon automatique, de façon fiable. Et dans les questionnaires, quand on fait confiance, bon, on fait des backups très souvent sur bande, etc. Bon, après, on n'a pas été vérifié, donc on ne peut pas savoir. J'ai eu le cas d'un incident où c'était dans une autre vie, où finalement, les bandes, ils faisaient les bandes tous les jours. Tous les jours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en fait, sur la bande, ils faisaient la sauvegarde que du delta et réécrasaient la sauvegarde de la veille. Donc, quand on a dû reconstruire, on avait le delta de la dernière journée. Voilà. Bon, on se rassure quand même pour nos auditeurs, les bandes sont de moins en moins utilisées, on utilise des disques durs aujourd'hui, hein. C'est des bêtes disques. Mais ils aiment bien sortir en audit ce genre de... TPE, PME, sauvegardez vos données dans un cloud, sur un disque séparé, mais sauvegardez-les parce que si vous vous faites taper, vous aurez au moins ça. Hors du réseau. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre positivement cette fois-ci à la demande du public puisqu'on nous demande d'y passer la nuit. Et je vous lis, les retours d'expérience sont très intéressants, il faut prolonger. Émission jusqu'à 23h, on lève la main. Oui, on y passe la nuit. Malheureusement, on ne pourra pas y passer la nuit. En tout cas, merci à ceux qui étaient à distance et qui nous ont écoutés. Merci à vous d'avoir répondu aux questions. Donc, cette émission était ce soir en partenariat avec I Am Buster by XMCO. D'ailleurs, on vous met à disposition un livre blanc sur la thématique. Ceux qui n'ont pas coché la case, n'hésitez pas à nous le demander par mail. C'était notre dernière émission pour 2023. Donc, on se retrouve en 2024 pour beaucoup plus de sujets. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci.